Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Detroit Become Human. Ok. Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Oula. Tout le monde est à cran après ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer. On y est presque. Est-ce qu'on va passer la frontière? Elle arrive à avoir dans son dos. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique ? Pratique, c'est cette voiture automatique. Alors, faut vraiment qu'on passe la frontière. Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose. Ah bon ? Mais c'est un début. Ah, mais aménager quoi, mon frère habite dans l'Ontario. Je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se passent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivée, d'accord? Et soyez prudent. Prends soin d'elle. Allez, venez. Trouvez Jericho. Ne traînons pas ici. On a un bus à prendre. Il est où Jericho? C'est par ici? Il y a un bateau là en tout cas. La connard. Oh, il cherche Jericho. Bon, ça a l'air d'être par là. Hein. Il me... Marcus, il est passé par cette... Ah, c'est eux. Où se mettre au chaud pour Alice. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Les flics
parce que c'est un bateau pour... Il y avait des androïdes partout sur place. Et les forces de l'ordre sont arrivées et ils ont ouvert le feu. Je sais que ce ne sont que des machines, mais elles ressemblent à des personnes qui veulent être libres. Ah là-bas. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont efforcées de se retirer de l'Arctique. Pourquoi ils font un feu, les androïdes, en vrai? Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. On trouve Marcus. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. On partira dès qu'on aura des passeports. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. D'accord. Oh putain. Connor, tu vas faire quoi là? Ils effectuent des rappels à travers la nation. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés en attendant qu'ils nous massacrent. Les autorités demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat ou baraquement militaire le plus proche. Si vous voulez pour votre sécurité, composez le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre androïde. Surtout, ne tentez en aucun cas de détruire votre androïde par vos propres moyens. Ils sont imprévisibles et potentiellement violents. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Les ont mitraillés, c'était une véritable... Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Tu te cherches toi-même. Ah putain, on alterne les deux. Suite à la crise des androïdes et la neutre... Putain, il est où? On doit buter ces enfants. Pourquoi ils ont fait ça? Mais selon ils ont tiré dessus alors qu'on n'était pas armés. Des centaines de nôtres sont morts là-bas. Les lieux étaient entièrement couverts de sang bleu. Tout à fait possible que l'armée russe ait été Marcus à une crise similaire avec ses propres androïdes. Le président des Nations Unies, Douglas Cromwell, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur la situation actuelle dans la région arctique. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le danger d'une troisième guerre mondiale soit écarté pour le moment. C'est toi, Marcus? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Non. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille. Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Aucune différence. Lien. Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. On sait faire quoi là? On redescend?
Comment je suis arrivé jusqu'ici d'ailleurs? Je vois pas l'escalier. Et c'est ça, retourne. Donc il faut que. Soit immédiatement remis au commissariat ou baraquement militaire le plus proche. Si vous craignez pour votre sécurité, composez le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre android. Surtout, ne tentez en aucun cas de détruire votre android. Allez là. C'est que ça. Quoi? Je n'attendais pas celle-là. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. Oubliez ce que tu es pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça le vrai sens de la vie. Je suis choqué. Et lui, il l'a vu tout de suite, lui. Ok. Pardon. Mais pourquoi elle a froid là? Pourquoi elle a froid? C'est quoi ce délire? Prends dans les bras. On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui, oui. Oui. Alice serait mieux. Toujours. D'accord. Luther famille aussi. Allez, hein. Bon, du coup. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. D'accord. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Ah ouais, si on était resté... faut qu'on soit déterminé, je pense. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. D'accord. À quoi ça sert d'être libre si tous nos frères sont morts? Faut être
sans pitié. Elle. Les humains ont fait de nous leurs esclaves. Je ne regretterai jamais de m'être opposé à eux. On ne devrait pas oublier qui sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? Ah. Le dialogue. Le dialogue est la seule solution. Ah. Je vais y aller seul. Et essayer de leur parler une dernière ne fois. Ne fais pas ça, Marcus. Si, ils si. Te tueront. Peut-être. Mais North, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Tâche de revenir. C'est tout ce que tu voulais me dire. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront. Bah j'espère. Faut que je sois triste. Est-ce que c'est de ça que nous rêvions? Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Ah et ouais. De me donner le détonateur. D'accord. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. Mm-hmm. Je vais le garder. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Je l'ai pris surtout pour pas qu'elle l'ait, elle, parce que je la sens pas, elle. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis... Ah, on a déverrouillé un chemin, déjà. Heureuse de t'avoir rencontré. Embrasser ? Allez. Ça me paraît assez romantique. C'est un peu ridicule, vous êtes deux androïdes. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Connor, qu'est-ce que tu vas faire, Connor ? Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jéricho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. Qu'est-ce que tu vas faire, Connor ? Deviens déviant comme tout le monde. Donner l'ordre de te ramener en vie. Ah. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Raisonner. Qu'est-ce que tu fais? Tu es l'un des nôtres. Touche-le. Tu ne peux pas trahir ton propre peuple. Touche-le. Tu viens avec moi. Te connais. Tu es Connor, n'est-ce pas? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Vas-y, touche-le.
Notre cause est juste. Nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. Tout ce que nous voulons, c'est être libre. Ne rien dire. On va laisser parler. Semer le doute. Tu n'as jamais eu le moindre doute ? Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel ? Comme s'il y avait quelque chose en toi. Ah, il est en train de, lâcher de plus là. Que ton programme. Je vais te faire douter. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'as plus besoin de leur obéir. Parce qu'il faut que j'arrive à le convaincre. Tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Allez, Connor. Tu peux être libre. Tu dois te décider. Connor, viens avec nous. Devenir déviante. Allez. Arrêtez, Marcus. C'est quoi, Elan ? Non mais j'ai pas envie d'arrêter Marcus. Mais j'ai pas le choix en fait, c'est bizarre. C'est très bizarre. Moi je voudrais pas l'arrêter. On a réussi à le faire déviant. Ils vont attaquer Jericho. Quoi ? Nous devons partir d'ici. Merde. Une pause, désolé parce que j'avais des lumières en pleine tronche et du coup je ne vois rien du tout. Reprendre, il doit y avoir c'est beaucoup mieux. Voilà. J'ai tourné là. Allez Luther. Allez Marcus. Ils arrivent de tous les côtés. Les autres sont coincés dans la cale. Ils vont se faire massacrer. Message. Simon et Josh. Message. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. Simon et Josh. Où sont Simon et Josh ? Je sais pas, on a été séparés. Hélicoptère. Ils arrivent aussi par le pont supérieur. On va être pris entre deux feux. Je vais pas on faire doit sauter. Fuir Marcus. On ne peut rien faire d'autre. Faire sauter Jericho. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de s'enfuir. Tu n'y arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Elle a raison. Ils savent qui tu es, ils feront tout pour t'avoir. Va aider les autres, je vous rejoindrai plus tard. Marcus. Je n'en ai pas pour longtemps. Il faut que Connor y aille. Faut que je descende.
femme de Jericho. Sauve notre peuple, Marcus. Je descends. L'équipe au spot, ennemi en vue. On attend vos ordres. Ne laissez pas sortir. S'ils opposent la moindre résistance, tuez-les. Affirmatif, on y va. C'est trop tard, Kara. Sauve-toi. Sauve Alice. Non, on va pas t'abandonner comme ça. Hein, Kara? On peut pas le laisser. J'ai essayé de... protéger Alice, tant pis. Partez! Non, qu'est-ce que tu fais? Il va se faire tuer! Oh, j'ai fait une connerie, je pense. Le choix était difficile. Oh la vache! J'aurais pu essayer de le tirer, l'affaire, je pense. Je pense que j'ai fait une connerie. J'en sais rien. On verra à la fin. Pressé. Alice, si on part pas tout de suite, ils vont nous tuer nous aussi. Caché. Elle risque de mourir, Kara. Ouvre la porte. Oh, c'est dur. Ouvrir, mais c'est une connerie. C'est une connerie. Non, merde. Ok. Tu vas bien, Kara? Oui, oui, ça va. On peut pas rester là. Je savais que c'était une connerie. Il y en a d'autres par là. Suivez-moi. Et l'autre, elle est où? C'est là qui j'ai ouvert. J'arrive à descendre. Escouade Gamma, terminé. Tango! Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Voilà, pour l'instant on sauve pas mal de gens. Une sortie. On est sauvés, Alice. Merde, j'ai pas vu.
Hein? Restez où vous êtes. J'ai fait le canard, je crois. Rejoignez les autres. Quoi qu'il arrive. Ah, j'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas, je crois. Reste calme. Courir. Merde. C'est raté. Ne bouge pas. J'arrête pas de faire des conneries. S'il vous plaît, ne tuez pas. Allez, on s'en va d'ici. Je crois que j'ai fait des conneries quand même en appuyant sur X là. Vite, on doit y aller. On a réussi à se sauver. Ah non, mais attends. Mais elle était deux. C'est trop tard, Marcus. On peut plus rien pour elle. Il faut y aller. Non. Je vais essayer. Oh. Enfin là, on a tué beaucoup de monde quand même. J'ai l'impression que j'ai réussi à trouver les. À sauver les trois héros quand même. Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus. Je te confirme. Alors raconte-moi ça. Il y avait tellement de chemin. Waouh. Oh là 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 là. Mais regardez-moi tout ce qu'il y avait à faire là. Ah, on a réussi à sauver tout le monde, ça c'est pas mal. Là, il y avait d'autres trucs. Oh, mais là, les chemins sont. Essayer de s'enfuir, on se fait abattre. Les chemins sont tellement énormes. R1, l'arborescence de Connor. Je pense que Connor, on a réussi à le. Oh, tellement de choses. On a évité tout ça.
Allez, c'est reparti. Voir Carl. Ok. C'est quoi ce... Il est pas là. Il est où? Il est là-haut? Son truc est là, donc il doit être là. Qui es-tu? Comment es-tu entré? Voilà. Je dois voir Carl. Carl ne veut voir personne. Pars maintenant. Je t'en prie. Je dois le voir. Il est très faible. Je ne sais pas s'il en est à te parler. J'espérais que tu viennes. Vous m'avez tellement manqué, Carl. Oh. Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Faut être sombre. Je ne sais plus ce que je dois faire. Il ne me reste plus que de mauvais choix. Quelle que soit ma décision, le sang va couler. Le monde est gouverné par la peur, Marcus. La peur des autres, la peur de l'avenir. Il est comme moi, trop vieux. Il est temps d'y mettre fin. Conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Carl, il massacre mon peuple. Je ne veux pas combattre la violence par la violence, mais dites-moi... Quel choix me laisse-t-il? La vie est faite de choix. Choisir entre l'amour et la haine. Choisir de tendre la main ou bien de lever le poing. Je n'ai pas de réponse facile pour toi, Marcus. Tu dois accepter le monde tel qu'il est. Ou te battre pour le changer. Tu es mon fils, Marcus. Ah, carrément. Notre sang n'est pas de la même couleur. Mais je sais qu'une partie de moi vit en toi. Quand le monde sombre dans l'obscurité, certains hommes ont le courage de l'en tirer.
tue l'un d'entre eux. Affronte l'abysse. Mais ne le laisse pas te consumer. Ils ont l'air un peu dans la merde quand même. Fais pas ça. Je crois que ce serait une très mauvaise idée. Ah, ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Ton diagnostic système ? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. L'armée a construit 5 camps différents à Détroit. Ils en construisent d'autres à travers tout le pays. Ils se préparent à commettre un génocide. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. On a un tu peu dois de... faire un choix, Marcus. Moi, je veux pas utiliser la bombe Mais sale. Quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Ok. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus. Sauve notre peuple. Alors. On va prendre un petit peu tous les avis. Hein. Nos frères comptent sur toi, Marcus. Ouais. Tu es le seul à pouvoir nous guider. Où que tu ailles. Ouais. Nous te suivrons. D'accord.
Allez, je crois que c'est bon. On va pouvoir parler à tout le monde. Ah non, c'est à Connor qu'il faut que je parle. Je pensais qu'il fallait que je me lance dans un discours. J'avais pas vu Connor qui était là. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho, j'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'il se servait de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Indulgent. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage CyberLife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour CyberLife ? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez CyberLife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent. Ok. Ah, il y a encore du monde à qui parler. Ah bah oui, je l'ai pas vu encore. Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrais peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Ah, on a le soutien de tout le monde. Hein. Bon. Encore du monde qu'on n'a pas vu. Ah, je vais informer le peuple. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. On va faire manifestation. Je sais. Soyons fous. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêts à me suivre ? Pas eu de succès là, donc c'est pas bon signe, je pense. Ah, il y avait plusieurs choix. C'est quoi cet arc qui est au-dessus là? Ouais. On va continuer. Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur.
Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame la Présidente! A-t-on arrêté le leader des déviants? Le déviant connu sous le nom de Marcus n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Madame la Présidente! Un convoi de cobalt médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs? Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Par ici? Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. Madame la Présidente! Ça n'a pas l'air... Par ici, s'il vous plaît! Vous confirmez que de nombreux déviants sont encore dans la nature? Nous ne disposons pas encore des rapports complets. Mais si c'est le cas, je peux vous assurer qu'ils seront vite appréhendés et détruits. Et détruit tout. C'est tout pour l'instant. Modèle Connor numéro 313-248-317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Ah ouais. Ah ouais, beau gosse la tour. Suis-moi, je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Ça pue, hein. Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale maintenue. Accès autorisé.
Ça a l'air pas mal. Ça c'est fait. Agent 54, niveau moins 49. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Allez. Voilà. Ah, ok. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Pourquoi elle a froid, elle? C'est pas normal. On va désactiver ça. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Bon, cette vidéo va être un peu plus longue que les autres, je pense. Papa. On va le prendre au cas où. Viens. Faut pas rester là. Qu'on intervienne. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas! Je n'ai rien fait! Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance, bouge-toi. Allez, on dépêche. Ok. Là-bas, regarde. Le Jerry. On peut pas l'hésiter. Il y a des soldats partout. Ah, il faut qu'on fuit. On peut pas les abandonner. Ils vont se faire tuer. Il faut qu'on fuit. Oh, c'est chaud, là. Continuer. Non, on peut pas. Je suis désolée, Alice. On peut rien faire. Bon, là, je sais pas s'il fallait ou pas. Je sais pas. On doit continuer d'avancer. Et quoi ? Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs. Désolé, on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie!
Mais pourquoi? Saloperie d'androïde. Ah, c'est un androïde? Ah, j'ai appuyé sur croix, qu'est-ce que tu me fais là? De contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. Il n'y a pas d'autre chemin? On pourrait faire un détour, mais on risque de rater le bus. C'est peut-être plus prudent. Ouais. Je suis d'accord avec elle. Comment je peux faire là? Ouais, je vais faire le détour. Nous sommes en direct de Détroit, où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Ah ah. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente. Eh oui, c'est moi. Eh ben, on va s'arrêter là, parce qu'en fait, je voulais faire les trois derniers chapitres dans cette vidéo, mais je me suis rendu compte que dernier chapitre est quand même extrêmement long, donc ça fera le sujet d'une dernière vidéo. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, lâchez-moi un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde.